Les antagonistes dans Tokyo Revengers sont nombreux, le fameux Kizaki en tant que principal obstacle de Takemichi, on a aussi Taiju, Anma, Kiyomasa, Sanzu, Kazutora ou encore Saos, tous des personnages qui se sont battus pour leurs propres convictions en s'opposant aux autres personnages. Bien sûr, comme vous le savez, il y en a un qui sort du lot. L'un des personnages les plus appréciés pour son histoire tragique, son design et ses ressemblances avec Mikey, je parle bien sûr de Nobutaka Osanai. Bon, si vous avez pas compris que c'était une blague, on va parler aujourd'hui bien sûr de Izana Kurokawa. Bon, petite mise au point avant de commencer la vidéo. Je sais, dans une précédente vidéo de ce concept, j'avais dit ça. Donc voilà, deuxième vidéo de ce concept, qui je pense va continuer vu que vous avez l'air de l'avoir aimé. Et j'aimerais sortir de plus en plus de vidéos dans ce genre, toutes les deux semaines... Bref, après 3 vidéos Histoire 2, j'avais décidé d'arrêter le concept en partie, car je souhaitais le révolutionner en apportant quelque chose de beaucoup plus immersif, tel un livre audio avec des doublages de personnages, des effets audio et une immersion dans l'histoire du personnage. Mais finalement, j'ai décidé de reprendre ce côté un peu décalé et un peu humoristique des histoires que vous aimez bien. Je dis pas que j'abandonne l'autre idée, mais je pense pas être capable de la réaliser pour l'instant. Bon. Ah oui merde, c'est vrai, j'ai oublié. Salut les gens, c'est InjoHNVance, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le retour des Histoires 2. Faites du bruit! Putain, quelle ambiance! Aujourd'hui, l'histoire se portera sur le personnage de Izana, l'un des plus grands antagonistes de Tokyo Revenger. Juste avant de commencer la vidéo, merci bien sûr à tous, on a atteint enfin les 1000 abonnés, un objectif que je m'étais donné depuis longtemps et qu'on a enfin atteint. Je vous remercie énormément et du coup, je sais pas quoi faire pour fêter ça. Dites-moi en commentaire si une FAQ vous intéresserait par exemple, je sais pas si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Bien sûr, juste avant de commencer les vidéos, attention spoil pour le manga et l'anime, il faut être à jour. Et aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour partager avec la communauté. C'est parti pour l'histoire de Izana Kurokawa. Izana Kurokawa est né le 30 août 1987. Pendant sa tendre enfance, il a grandi aux côtés de Emma et sa mère Karen Kurokawa. Bon, pour vous résumer un peu l'arbre généalogique de la famille Sano... Sakurako Sano et Makoto Sano ont eu Shinichiro et Mikey. Et c'est un peu plus tard que le père de ces deux garçons est mort, mais juste avant de mourir, il a eu une aventure avec Karen Kurokawa, avec qui il a eu Emma, qui rejoindra la famille Sano après que sa mère l'ait abandonnée. Oh putain, la salope. Mais vous allez me dire du coup, Izana, quel rapport dans tout ça avec la famille Sano? Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Et oui, parce que Izana est liée d'une relation entre un ex-mari de Karen Kurokawa et une femme d'origine des Philippines. Mais bref, à l'âge de 3 ans, Izana quitte la résidence de la famille de Emma pour partir à l'école. Vous l'aurez bien compris, il va pas vraiment à l'école, mais plutôt dans un refuge d'orphelinat. C'est dans ce refuge que Izana fait la rencontre d'un personnage que l'on connaît bien, Kakusho. Alors en train de créer une tombe pour ses parents, Izana relève Kakusho à sa manière et va donner un sens à la vie de cet enfant, une raison de vivre. Kakusho désormais restera aux côtés de Izana et le suivra peu importe ce qu'il fait. Si vous souhaitez, dans une autre vidéo, on pourra aborder l'histoire de Kakusho. C'est Shinichiro Sano qui fait sortir Izana du refuge quelques mois plus tard. Il apprend au jeune Kurokawa à se battre, conduire une moto, s'habiller, se coiffer, bref, un rôle de grand frère qui va être assumé par Shinichiro envers Izana. Mais bon, vous connaissez la rengaine, dans Tokyo Revengers, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est entre sa 4ème et 5ème année que Izana Kurokawa fait quelque chose qui va lui valoir une entrée directe pour le centre de détention pendant une durée de 10 ans. Alors, me demandez pas comment il est rentré là-dedans pour 10 ans et qu'est-ce qu'il a fait, j'en ai aucune idée, mais ça a dû être assez violent. Quel âge toi? J'ai 4 ans. Non, t'as un menteur. Des années durant lesquelles il a pu améliorer ses compétences au combat et asseoir son autorité avec notamment en 2001 la création d'un groupe légendaire, la génération S62. Composé strictement de 6 membres, tous nés en 1987. Izana en tant que chef, Yoichiro Muto, Kanji Mochizuki, Ran et Rindo Aitani et bien sûr Shion Madarame. Une génération bien connue pour ses nombreux crimes, drogues, agressions et vols qui a instauré un climat de violence durant ces années-là et qui sortiront de détention en même temps que Izana. Sorti du centre, la première chose à laquelle pense Izana est de revoir son frère, Shinichiro, qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Maintenant en âge de conduire une moto et durant une petite vadrouille avec Shin, Izana demande à son grand frère s'il pourra récupérer le Black Dragon, le fameux gang qu'a créé Shinichiro. Mais après avoir laissé un petit peu d'espoir, Shinichiro déclare au final « PTDR, t'es qui ?» et souhaite finalement le léguer à son véritable petit frère, Mikey. C'est à ce moment-là que le ressentiment que Izana éprouvait envers Mikey explose.
Après avoir entendu parler plusieurs fois de ce petit frère de Shin pendant qu'il était en détention à travers les lettres de son grand frère, pendant que ce Mikey l'avait remplacé auprès de Shin, Mikey va désormais hériter du gang tant désiré par Izana. C'est en l'an 2003, juste avant la mort de Shinichiro, que Izana raconte qu'il avait retrouvé sa mère, celle qui l'a élevée, la mère de Emma, entrant dans un casino. Tout content de retrouver sa mère et souhaitant des explications, Izana fonce vers elle, celle qui l'a élevée, pour lui demander pourquoi elle l'a abandonné. Cette femme, se retournant et voyant cet enfant qu'elle avait élevé pendant 3 ans, fut prise d'une émotion intense et d'un gros sentiment de culpabilité. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Bon, je déconne, elle en a rien à foutre littéralement. C'est à ce moment-là que Izana apprend qu'il n'a aucun lien de sang avec la famille Sano et que donc sa mère n'est pas sa mère, son frère n'est pas son frère et sa sœur, bah c'est pas sa sœur non plus. Enragé, il va s'en retrouver Shin, un grand frère qui n'en était pas un. En tout cas pour Izana, pourtant ce que Shin souhaitait c'est que peu importe ses liens de sang avec, ils pouvaient devenir frères. Mais Izana qui avait toujours vécu dans la solitude, n'a pas pu endurer ce mensonge et ce faux espoir que lui avait donné Shin, un espoir d'avoir une famille. Après la mort de Shin, Izana prit le contrôle du Black Dragon et devient le 8ème chef du Black Dragon qui selon Inupi était la pire des générations. Comme pour la génération S62, crime, vol et agression étaient les maîtres mots de ce gang. Et c'est après que la 9ème génération des Black Dragon fit leur apparition, dirigée par Madarame, que Izana tomba en dépression jusqu'à trouver Kizaki. La fondation du Tenjiku par Izana et Kizaki a permis de réunir la pire génération sous un même drapeau. La génération S62, Kokonoi, Sanzu, Kizaki et Anma, et pour finir Kakusho, de retour aux côtés de son maître. Izana avait désormais un objectif, faire plonger Mikey dans un désespoir si profond qu'il ne s'en relèverait jamais. C'est alors que Takemichi, fraîchement nommé 11ème chef des Black Dragon, rencontre Izana devant la tombe de Shinichiro. Une rencontre interrompue par l'intervention de Mikey, les deux chefs de gang de Tokyo face à face. C'est alors qu'on voit Mikey qui est en face de Izana en mode « Je vais le démarrer cet enculé !» Mais bon, c'est plutôt Kizaki qui a démarré sa sœur du coup. Vous avez compris, vu qu'il a dû démarrer une moto pour pouvoir s'approcher d'Emma... Bref. Après la mort d'Emma, Izana avait cru avoir réussi son plan. Le Tenjiku face au Toman, mais sans Mikey déprimé et sans Draken en deuil devant sa bien-aimée. Même si Takemichi avait motivé les troupes et parti combattre le Tenjiku, c'est après plusieurs combats et plusieurs aussi rebondissements que Takemichi se retrouve seul devant le Tenjiku toujours debout. Mais c'est alors que Mikey fait son apparition aux côtés de Draken pour se battre face au tueur de sa sœur. Mikey face à Izana, les deux frères qui se battent dans un combat légendaire de Tokyo Revenger, un combat assez équilibré qui va finalement pencher en faveur de Mikey après que ce dernier a déclaré souhaiter sauver le seul petit frère qui lui reste, Izana. Déstabilisé par ses mots et ses coups, Izana commence à tellement perdre le contrôle qu'il revoit Emma et Shin aux côtés de Mikey. Izana pète un câble et braque le pistolet en face de Mikey, mais hésitant à tirer, c'est Kakusho qui l'empêche de tirer sur son petit frère. Bon, un combat compensé fini, c'était sans compter sur... Bâtard sale chien de merde! Qui tire sur Kakusho. Et c'est après avoir tenté d'arrêter Kizaki que Kakusho fut sauvé par son ami de toujours, Izana, qui se prend ses balles à sa place. Izana mourra alors, pas si seul qu'il ne le pense, avec son ami de toujours, son serviteur Kakusho à côté de lui, tenant la main de son roi. Dans un ultime flashback, on voit Kakusho et Izana, alors enfants, et dans le refuge, jouant dans la neige, et se faire la promesse de construire leur royaume nommé Tenjiku. Kakusho, avec l'histoire qu'on lui connaît après cela, a dû avancer seul. C'est après avoir fait confiance à Takemichi lors de la bataille finale et en combattant Sanzu que Kakusho, juste avant sa mort, revoit son ami de toujours. Kakusho, je vais t'aider. Izana, merci, mais par contre, je sais toujours pas où il est, putain! Et voilà pour l'histoire de Izana, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me dire du coup quelle prochaine histoire de je ferai. Merci bien sûr encore pour les 1000 abonnés, j'ai eu un nouveau micro d'ailleurs si vous avez remarqué pendant cette vidéo, je sais pas si c'est mieux, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la prochaine pour la review du chapitre 265, j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas bien sûr à nous rejoindre sur Discord pour partager avec la communauté, le lien se trouve en description. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!